In all other European countries, however, factory workers and farmhands have been elected to the State Duma, Parliament. They've been able to speak freely to all the people about the miserable condition of the workers. Second consequence, cette extension universelle du signe dans le champ de la représentation exclut jusque la possibilité d'une théorie de la signification. En effet, s'interroger sur ce que c'est que la signification suppose que celle-ci soit une figure déterminée dans la conscience. Mais si les phénomènes ne sont jamais donnés que dans une représentation qui, en elle-même et par sa représentabilité propre, est toute entière signe. La signification ne peut faire problème. Bien plus, elle n'apparaît même pas. Toutes les représentations sont liées entre elles comme des signes. À elles toutes, elles forment comme un immense réseau. Chacune, en sa transparence, se donne pour le signe de ce qu'elle représente. Et cependant, ou plutôt par le fait même, nulle activité spécifique de la conscience ne peut jamais constituer une signification. C'est dans tout par que la pensée classique de la représentation exclut l'analyse de la signification que nous autres que ne pensons les signes qu'à partir de celle-ci. Nous avons tant du mal, en dépit de l'évidence, à reconnaître que la philosophie classique de Malebranche à l'idéologie a été du fond en comble une philosophie du signe. Pas de sens extérieur ou antérieur au signe. Nulle présence implicite d'un discours préalable qu'il faudrait restituer pour mettre au jour le sens autochtone des choses. Mais non plus pas d'acte constituant de la signification ni de genèse intérieure à la conscience. C'est contre le signe et son contenu. Il n'y a aucun élément intermédiaire et aucune opacité. Les signes n'ont donc pas d'autre loi que celle qui pouvant régir leur contenu. Toute analyse de signes est en même temps et de pleine droite déchiffrement de ce qu'ils voulant dire.
Inversement, la mise au jour de signifier ne sera rien de plus que la réflexion sur le signe qui l'indiquant. Comme au XVIe siècle, sémiologie et herméneutique se superposant. Mais dans une forme différente. À l'âge classique, elle ne se rejoignant plus dans la tiers élément de la ressemblance. Elle se liant en ce pouvoir propre de la représentation, de se représenter elle-même. Il n'y aura donc pas une théorie des signes différente d'une analyse du sens. Pourtant, le système accorde un certain privilège à la première sur le second, puisqu'elle ne donne pas à ce qui est signifié une nature différente de celle qu'elle accorde au signe. Le sens ne pourra être plus que la totalité des signes déployés dans leur enchaînement. Il se donnera dans le tableau complet des signes. Mais d'autre part, le réseau complet des signes se lie et s'articule selon les découpes propres au sens. Le tableau des signes sera l'image des choses. Si l'être du sens est tout entier du côté du signe, le fonctionnement est tout entier du côté du signifié. C'est pourquoi l'analyse du langage, le Lancelot à destute de Tracy, se est à partir d'une théorie abstraite des signes verbaux et dans la forme d'une grammaire générale. Mais elle prend toujours pour fil directeur les sens du mot. C'est pourquoi aussi l'histoire naturelle se présente comme analyse des caractères des êtres vivants, mais que même artificielle. Les taxonomies ont toujours le projet de rejoindre l'ordre naturel ou de la dissocier le moins possible. C'est pourquoi l'analyse des richesses se fait à partir de la monnaie et de l'échange. Mais que la valeur est toujours fondée sur le besoin. À l'âge classique, la science pure des signes vaut comme les discours immédiats du signifié. Enfin, dernière conséquence qui s'étend sans doute jusqu'à nous, la théorie binaire du signe, celle qui fonde depuis 17e siècle, toute la science générale du signe est liée selon un rapport fondamental
à une théorie générale de la représentation. Si le signe, c'est la pure et simple liaison d'un signifiant et d'un signifié, liaison qui est arbitraire ou non, volontaire ou imposée, individuelle ou collective. De toute façon, le rapport ne peut être établi que dans l'élément général de la représentation. Le signifiant et le signifié ne sont liés que dans la mesure où l'un et l'autre sont, ou ont été, ou pouvant être, représentés, et où l'un représente actuellement l'autre. Il était donc nécessaire que la théorie classique du signe, de ce dont pour fondement et justification philosophique une idéologie, c'est-à-dire une analyse générale de toutes les formes de la représentation, depuis la sensation élémentaire jusqu'à l'idée abstraite et complexe. Il était bien nécessaire également que, retrouvant le projet d'une sémiologie générale, s'assure et donner du signe une définition qui a pu paraître psychologiste, liaison d'un concept et d'une image. Ce qu'on fait, il redécouvrait la condition classique pour penser la nature binaire du signe. Partie 5, l'imagination de la ressemblance. Voilà dans les signes affranchis de tout ce formillement du monde où la Renaissance les avait autrefois répartis. Ils sont logés désormais à l'intérieur de la représentation, dans l'interstice de l'idée, en ce mince espace où elle joue avec elle-même, se décomposant et se récomposant. Quant à la similitude, elle n'a plus désormais quoi retombe hors du domaine de la connaissance. C'est l'empirique sous sa forme la plus fruste. On ne peut plus la regarder comme faisant partie de la philosophie, à moins qu'elle ne soit effacée dans son inexactitude de ressemblance et transformée par le savoir en une relation d'égalité ou d'ordre. Et cependant, pour la connaissance, la similitude est une indispensable bordure, car une égalité
où une relation d'autre ne peut être établie entre deux choses que sur leur ressemblance a été au moins l'occasion de les comparer. Hume plaquait la relation, l'identité parmi celles philosophiques qui se posent la réflexion, alors que la ressemblance appartenait pour lui aux relations naturelles, à celles qui, contraignant notre esprit selon eux, force calme, mais inévitable, que le philosophe se pique de précision autant qu'il le voudra. J'ose pourtant le défier de faire un seul pas dans sa carrière sans l'aide de la ressemblance. Qu'on jette un coup d'œil sur la face métaphysique des sciences, même les moins abstraits, et qu'on me dise sur les inductions générales, qu'on tire des faits particuliers, ou plutôt si les genres même, les espèces et toutes les notions abstraites pouvant se former autrement que par le moyen de la ressemblance. Alors l'extérieur de savoir, la similitude, c'est cette forme à peine dessinée, ce rudiment de relation que la connaissance doit recouvrir dans toute sa largeur, mais qui, indéfiniment, demeure au-dessus d'elle à la manière d'une nécessité muette et ineffaçable. Comme au XVIe siècle, ressemblance et signe s'appelant fatalement. Mais sur un mode nouveau, au lieu que la similitude ait besoin d'une marque pour que soit levé son secret, elle est maintenant le fond indifférencié, mouvant, instable sur quoi la connaissance peut établir ses relations, ses mesures et ses identités. Double inversement par conséquent, puisque c'est le signe et avec lui toute la connaissance discursive qui exigeant une fonde de similitude. Et puisqu'il ne s'agit plus de manifester un contenu préalable à la connaissance, mais de donner un contenu qui puisse offrir un lieu d'application aux formes de la connaissance. Alors, qu'au XVIe siècle, la ressemblance était le rapport fondamental de l'être à lui-même et la pliure du monde. Elle est à l'âge classique la forme la plus simple
sur laquelle apparaît ce qui est à connaître et qui est la plus éloignée de la connaissance elle-même. C'est par elle que la représentation peut être connue, c'est-à-dire comparée avec celle qui pouvant filtre similaire, analysée en éléments qui lui sont communs avec autres représentations, combinées avec celles qui pouvant présenter des identités partielles et distribuées finalement en un tableau ordonné. La similitude dans la philosophie classique, c'est-à-dire dans une philosophie de l'analyse, joue un rôle symétrique de celui que sera le divers dans la pensée critique et dans les philosophies du jugement. En cette position de limite et de condition, ce sans quoi et en des cas de quoi on ne peut connaître, la ressemblance se situe du côté de l'imagination où, plus exactement, elle n'apparaît que par la vertu de l'imagination et l'imagination, en retour, ne s'exerce qu'en prenant appui sur elle. En effet, si on suppose dans le chaîne ininterrompu de la représentation des impressions les plus simples qui soient et qui n'auraient pas entre elles le moindre degré de ressemblance. Il n'y aurait aucune possibilité pour que la seconde rappelle la première. La face réapparaître et autorise ainsi sa représentation dans l'imaginaire. Les impressions se succéderaient dans la différence la plus totale, si totale qu'elle ne pourrait même pas être perçue, puisque jamais une représentation n'aurait l'occasion de se figurer sur place. D'en ressusciter une plus ancienne et de se juxtaposer à elle pour donner lieu à une comparaison. Immense identité nécessaire à toute différenciation ne serait même pas donnée. Le changement perpétuel se déroulerait sans repère dans la perpétuelle monotonie. Mais s'il n'y avait pas dans la représentation l'obscur pouvoir de se rendre présente à nouveau une impression passée, aucun jamais n'apparaîtrait comme semblable à une précédente ou dissemblable d'elle. Ce pouvoir de rappeler implique au moins la possibilité de faire apparaître comme quoi c'est semblable.
comme voisine et contemporaine, comme existant presque de la même façon. Deux impressions dont l'une pourtant est présente alors que l'autre, depuis longtemps peut-être, a cessé d'exister. Sans l'imagination, il n'y aurait pas de ressemblance entre les choses. On voit le double réquisit. Il faut qu'il y ait, dans les choses représentées, le murmure insistante de la ressemblance. Il faut qu'il y ait dans la représentation. Le repli toujours possible de l'imagination. Et ni l'une ni l'autre de ces réquisits ne peut dispenser de celui qui le complète et lui fait face. De là, de directions d'analyse qui se sont maintenues tout au long de l'âge classique et n'ont cessé de se rapprocher pour énoncer finalement dans la dernière moitié du XVIIIe siècle leur vérité commune dans l'idéologie. D'un côté, on trouve l'analyse qui rend compte du renversement de la série des représentations en un tableau inactuel mais simultané des comparaisons. Analyse de l'impression, de la réminiscence, de l'imagination, de la mémoire, de tout ce fond involontaire qui est comme la mécanique de l'image dans le temps. De l'autre, il y a l'analyse qui rend compte de la ressemblance des choses, de leur ressemblance avant leur mise en ordre, leur décomposition en éléments identiques et différents. La répartition en tableau de leur similitude désordonnée. Pourquoi donc les choses se donnent-elles dans un chevauchement, dans un mélange, dans un entrecroissement où leur ordre essentiel est brouillé? Mais assez visible encore pour qu'il transparaisse sous forme de ressemblance, de similitude vague, d'occasion allusive pour une mémoire en alerte. La première série de problèmes
correspondent en gros à l'analytique et de l'imagination. Comme pouvoir positif de transformer le temps linéaire de la représentation en espace simultané d'éléments virtuels. La seconde correspond en gros à l'analyse de ta nature, avec les lacunes, les désordres qui brillent le tableau des êtres et les parpillant en une suite de représentations qui, vaguement et de loin, se ressemblent. Or, ces deux moments opposés, l'une négatif, du désordre de la nature dans les impressions, l'autre positif, de pouvoir de reconstituer l'ordre à partir de ces impressions, trouvant leur unité dans l'idée d'une genèse. Et ceci de deux façons possibles. Ou bien le moment négatif, celui du désordre, de la vague ressemblance, est mise au compte de l'imagination elle-même, qui exerce alors à elle seule une double fonction, si elle peut, par le seul redoublement de la représentation, restituer l'ordre. C'est dans la mesure justement où elle empêcherait de percevoir directement. Et dans leur vérité analytique, les identités et les différences des choses. Le pouvoir de l'imagination n'est que l'envers, ou l'autre face, de son défaut. Il est dans l'homme, à la couture de l'âme et du corps. C'est là que Descartes, Malebranche, Spinoza l'ont en effet analysé. À la fois comme lieu de l'erreur et pouvoir d'accéder à la vérité même mathématique. Ils ont reconnu en elle le stigmate de la finitude, que ce soit la signe d'une chute hors de l'entendu intelligible ou la marque d'une nature limitée. Au contraire, le moment positif de l'imagination peut être mis au compte de la ressemblance trouble, du murmure vagu des similitudes. C'est le désordre de la nature dû à sa propre histoire, à ses catastrophes, ou peut-être simplement à sa pluralité enchevêtrée, qui n'est plus capable d'offrir à la représentation que des choses qui se ressemblent.
si bien que la représentation, toujours enchaînée à des contenus tout proches les uns des autres, se répète, se rappelle, se replie naturellement sur soi, fait renaître des impressions presque identiques et engendre l'imagination. C'est dans ce moutonnement d'une nature multiple, mais obscurément et sans raison recommencer, dans le fait énigmatique d'une nature qui, avant toute autre, ressemble à elle-même, que Condillac et que Hume ont cherché le lien de la ressemblance et de l'imagination. Solution strictement opposée, mais qui répondant au même problème. On comprend en tout cas que la second type d'analyse se soit facilement déployée dans la forme mythique du premier homme, Rousseau, ou de la conscience qui s'évèle, Condillac, ou de spectateurs étrangers jetés dans le monde, Hume. Cette genèse l'a fonctionné exactement au lieu et place de la genèse elle-même. Une remarque encore, si les notions de nature et de nature humaine ont à l'âge classique une certaine importance. Ce n'est pas parce qu'on a découvert brusquement comme champ de recherche empirique cette puissance sourde, inépuisablement riche, qu'on appelle la nature. Ce n'est pas non plus parce qu'on a isolé à l'intérieur de cette vaste nature une petite région singulière et complexe qui serait la nature humaine. En fait, ces deux concepts fonctionnent pour assurer l'appartenance, le lien réciproque de l'imagination et de la ressemblance. Sans doute l'imagination n'est-elle en apparence qu'une des propriétés de la nature humaine, et la ressemblance un des effets de la nature. Mais à suivre un réseau archéologique qui donne ses lois à la pensée classique, on voit bien que la nature humaine se loge dans ce immense débordement de la représentation qui lui permet de se représenter. Toute la nature humaine est là, juste assez à l'extérieur de la représentation pour qu'elle s'apprésente à nouveau dans l'espace blanc qui sépare la présence de la représentation et le riz de sa représentation.
et que la nature n'est que l'insaisissable brûlage de la représentation qui fait que la ressemblance y est sensible avant que l'ordre des identités ne soit visible. Nature et nature humaine permettant dans la configuration générale de l'épistème l'ajustement de la ressemblance et de l'imagination qui fondent et rendent possible toutes les sciences empiriques de l'ordre.